Alors, je tiens à remercier la Maison amérindienne de m'avoir reçue pour l'InfoWeb de cette semaine et je clôture avec vous en ce vendredi 13 décembre. Je vous invite à passer au Café du Passeur qui vous invite à son traditionnel marché de Noël artisanal. Alors, si vous avez envie de compléter vos cadeaux de Noël avec des produits locaux, c'est le meilleur endroit où aller. Pour en nommer que quelques-uns au niveau des artistes présents, il y aura Madame Chantal Duguay avec des pièces uniques, que ce soit des chapeaux, des étuis à lunettes, des créations faites sur mesure. Également, Mireille Brouillette qui aura des cartes et plein d'autres artistes vous recevront également. Alors, bien sûr, pour clôturer, je vous parle encore de marché de Noël parce que c'est ce qui se passe, ça foisonne de partout. Et cette fois-ci, je m'arrête du côté de Saint-Mathieu-de-Belleuil, donc c'est leur deuxième édition marché de Noël. Il y aura 28 exposants sur place, des artisans. Alors, c'est une belle façon de profiter de votre fin de semaine. Du samedi, on parle de 10h à 17h et pour le dimanche, de 10h à 16h. Je vous invite également à regarder TVR9 et avec grand plaisir, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir!